Aspetta. Andiamo! Oh.
Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe, je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Nos articles sont fabriqués dans les meilleures forges du pays. Meurs, Lanzo.
impossible d'aller par là. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Ah, Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Vienne nous ont tendu une embuscade, et nous ne savons plus où donner de la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vienne, et que justice soit faite. Écartez-vous et tout de suite! Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Si on ne se rend pas en reste, les peintures sacrées sont si belles que ceux qui en feront l'acquisition seront lavés de tous leurs péchés. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario? Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Comandante! Comandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Prépare quelque chose avec tes alliés.
Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort. Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin! On va pouvoir boire jusqu'à plus soif! À nous, les femmes! Hé, hey, c'est vrai! Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme, un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui. Et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller ? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée.
Tu les reconnais ? D'autres pages du Codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte ? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il ? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc ? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la-moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur.
Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Sir Ezio. Je me trompe? Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des échoppes. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Sir Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Bon voyage! Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose.
Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins. Mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Perfection n'a pas de prix. En fait, si, elle en a... Vous cherchiez quelque chose. Grazie. Revenez quand vous voulez. Je peux soigner tous les malades. Thank you.
Chez moi, la ferronnerie est un art. Je vends toutes sortes d'armes. Excusez-moi, ça me surprend. Confection très soignée. Sampre va bientôt retrouver son cadavre. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Allez, approchez. Bonjour. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Je vous laisse. Encore un,
peuvent apporter leur contribution à l'entrée du prieuré à tout moment, sauf les jours de fête. C'est sûrement un malentendu. Sans conséquence, hein. Pourquoi ? Buona giornata.
Épargnez-moi. Voilà une curieuse façon de se déplacer. Je peux soigner tous les malades. N'approchez pas. J'ai aussi de vous poser des soins, y compris ceux dont vous n'avez pas discuté. Arrière, assassin! Il vous en cuirait. Garde! N'approchez pas, créature du diable! Ce qui est à moi est à vous. Épargnez-moi, je ne fais qu'obéir à mon maître. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Je peux vous le demander. N'oubliez pas de parler de moi à votre entourage. La santé n'a pas de prix. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces deux dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Ha ha ! Tu en as trouvé une autre. Très intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois... Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo!
J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La Volpe. Le renard? Chut! Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la garantie. Traditionnels sont les trésors de la sagesse arabe. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave, idéal pour le foie. Ammirate questi prosciutti! Les clients se sont déjà à... Grazie, et à très bientôt. Besoin d'une saignée? J'ai des sangsues toutes fraîches. Verdura! Verdura per la colta! Ma bourse, mon argent! Ton argent! Je ne l'ai pas, ton argent! Reviens ici! Non, toi, viens! Faites un
Tu commets une grave erreur, mon ami. Bon, ça suffit. Si t'en as assez, alors abandonne. Rends-moi ce que tu m'as volé. Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la Volpe. À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Dio beato. Il est bizarre. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur? Ne t'inquiète pas pour moi. Que tu fais? Je t'ai demandé de me suivre. Sommes. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leurs conversations. Agrippe cette poignée, fais-la pivoter, et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. Thank you.
Combien de temps on va devoir rester ici, Saverio? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario? Mais Serpazzi nous paie grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir. Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Moi qui croyais que ce serait de tout repos. Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir.
Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde, avec l'aide de Dieu. Me tuer. Je suis plus rapide que lui. Plus vite. Je suis tiré d'affaire. Laissez-moi tranquille. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. Comme un porc. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos emanet sempre. Grazie, Padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux.
Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Regardez cette statue. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore. Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. Je sais où et quand je peux trouver Francesco, mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais... qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au Dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? Alors, tu t'amuses bien dans notre jolie cité, étranger ? La loi ici, c'est moi. Si
quelqu'un sème le désordre. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Dans le commerce. Venez, mes amis. Ici, le client est roi. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Approchez, mes amis. Venez admirer les dernières. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Hey, qu'avez-vous, mon ami? Venez admirer. Merci pour tout, ce fut un plaisir. Nos articles sont fabriqués dans les meilleurs formes. Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? À bientôt, Ezio. Buongiorno. Salut, c'est Ezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage!
Thank you.
Qu'est-ce qui vous prend? Bienvenue dans ma modeste galerie. Merci, et n'hésitez pas à revenir. Excellent choix, signore. Hé, mes amis, je vends tous mes articles à vous. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Où je peux, donc... Vous cherchez je soigne quelque tous les enfants de Dieu. Ne cherchez plus. Thank you.
Andiamo! Je dois partir. Oui. Du calme. Ne vous en prenez pas. Vous avez le diable au corps ou quoi? Je soigne tous les enfants de Dieu, qu'on se le dise. Di Grazia, faites en sorte de vous tenir à l'écart des fresques murales. Et quand vos hommes peindront la coupole, veillez à ce qu'ils n'abîment pas les reliques sacrées qui se trouvent dans la lanterne. Ce sont les objets les plus précieux de notre cathédrale. Oui, oui, padre. Du moment que vous payez bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ben, si je tombe, je pourrais prendre ce raccourci.
Ugh.
ne me regarde pas. On va l'amener sur la place. Ils allumeront un grand feu de joie dans une heure. Attaquez-le! Pas de risque inutile. Attendez le bon moment. D'accord? J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais si vous voulez rester en bonne santé, tenez-vous tranquille. L'art connaît une période. Je rends hommage au protecteur des arts que vous êtes. Je ne cours pas assez vite. Moi, n'approchez pas. Je suis terrorisé de savoir qu'il est dans l'eau. Je vous en prie. Je ne faisais que passer. Si nous il est fou. C'est sûr. Nous pourrons combattre ce démon. Tu n'as pas le droit d'aller là-haut. Garde, à l'aide! Non, n'avancez pas! Jean, c'est un véritable monstre! Craignez cette créature féroce et maléfique! Bonjour! Nous sommes fiers de proposer des articles d'excellente facture! Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. D'accord, la voilà la clé. Il suffit de réécrire cette ligne... et ça marche. Tiens, voilà. N'approchez pas, assassin! Nous sommes une maison honnête. Eh bien, ne cours pas assez vite. Devenu fou. N'approchez pas. Je ne veux pas mourir. Pitié. Prenez ce que vous voulez. Nous sommes fiers de proposer des articles d'excellente facture. Dur à des prix raisonnables. Lorenzo est là, avec sa femme. Ça
Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Prêtre, voilà pour toi. Giuliano, non. Oh, de grâce. Au nom de Dieu, pas de pitié pour toi. Tu n'es qu'un sale chien. Meurs. 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 Ta fin est proche, Lorenzo. Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai. Traître. Assassin. Je vais te tuer. Tu n'as que ce que tu mérites. Et maintenant, maintenant tu vas mourir. Attends, je t'en prie. Aide-moi. Sauver la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... En avant. Je perds beaucoup de sang. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Francesco De Pazzi! Je vais le tuer! Je vais traquer sa famille, la chasser de notre cité! Ils vont le payer! Restez calme, signore. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Nous y sommes presque. Je ne reste pas là, s'il vous plaît! Ne restez pas là! Sauf qui peut! Miséricordia! Par pitié, comment tu es gentil, moi? Vous ne trouverez que des produits de qualité. Je m'y engage. Et puis refaites un travail minutieux. L'ami, je peux soigner vos oignons. Ne restez pas là. Sauf qu'il peut. Oh, Jésus. Je ne dois pas rester. Allez. Un assassin. Ah, cette fois, tu ne t'en tireras pas. J'aurais préféré éviter de me battre. Il semble que je suis peut-être un autre manœuvre, mais je n'en suis pas moins capable de te couper la gorge. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu, et c'est que je n'ai rien perdu de mes talents. Je suis peut-être un autre manœuvre, mais je n'en suis pas moins capable de te couper la gorge. Par pitié, laissez-moi me faire. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte! Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu tout-puissant, entrez, entrez! La ville est à feu et à sang. Vite! Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Ah. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la Seigneurie. On ne pourra pas les repousser très longtemps. Non. S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir. Et j'aurai survécu pour rien. Il faut que... Francesco De Pazzi va sauver notre cité, Auditore. Tue-le.